Rialco, il est prétendant au Grand Slip Chess de Paris cette année. Hein, il y était déjà il y a 2 ans, ça s'est mal passé. Bon, il a eu ce grave accident dans le Prix Hiro 12 en 2012, hein, que tout le monde sait, avec cette fracture du chanfrein, qui s'est très bien soigné, très bien remis. Merci Pierrot Covelier et à tout l'entourage pour avoir remis à ce niveau-là Rialco, parce que le ramener aux courses, c'était une chose, mais le ramener à ce haut niveau, faut chapeau, quoi. Et je crois que le cheval est plus fort que jamais, donc tout va bien pour le moment. Tous les feux sont au vert pour le 18 mai 2014. Donc Philida, la bonne jument de l'élevage, elle est pleine donc cette année de polyglottes. On a fait un petit peu des folies. C'est la mère de Rialco, et on va se faire plaisir, et elle mérite bien ça. Donc, elle est à terme pour le 22 avril. Et bah, tout va bien, hein, parce qu'elle a quand même déjà 21 ans. Hein, 20 ans, oui, oui. Donc, elle se porte bien, ça va. Alors, ça a quand même été une bonne jument de course. Hein, elle était meilleure 50 France en plat en 98. Elle est quand même 2 fois 2e du prix de Cran, à Longchamp, à 4 ans et à 5 ans. Notamment battue par Gloria Cat, qui était invaincue pour 12 courses. Donc l'année-là, elle a été 4 fois seconde de Gloria Cat. On a tombé sur une craque. Mais bon, elle nous rend beaucoup de satisfaction avec sa deuxième carrière de poulinière. Puisque bon, le premier Kilimar gagnant à Auteuil, est exporté en Angleterre, a regagné aussi. Rialco le deuxième. Ensuite, elle n'a pas eu de chance. Il y a eu un fragrant mix qui a été exporté en Angleterre, qui n'a jamais couru, qui a eu des soucis chez Willie Mullins. Il y a eu une pouliche qui est morte prématurément. Après, j'ai revendu une pouliche de fragrant mix à la famille Papeau. Ça s'est mal passé chez Le Nouvel. C'est pareil, elle a eu une fracture et sortie du circuit. Elle a un autre poulain là, qui est tardif par Discover d'Auteuil, que j'ai revendu à Damien Covelier et Emmanuel Cléieux, ils sont tous les deux en association. Bon, il a 4 ans, il devrait débuter en fin de cette année. Il a l'air assez tardif. Mais bon, Rialco avait débuté fin d'année de 4 ans aussi. Hein.